perchés comme des alpinistes, ce groupe de touristes avance d'un pas prudent. Pour découvrir Stockholm, ils ont choisi de suivre une visite guidée sur les toits de la capitale suédoise. Sensation garantie. Je n'ai pas vraiment peur des hauteurs. Ce n'était pas effrayant, c'était juste incroyable. Je n'avais pas réalisé que nous serions si haut. J'ai adoré. J'ai encore du mal à réaliser tout ce que j'ai vu. Voir les ponts d'en haut et toute la ville à 360 degrés, c'était super. Pour atteindre le clocher de l'église Riddarholmen et admirer les scintillements du fleuve, mieux vaut ne pas avoir le vertige. Ce guide touristique l'assure, prendre de la hauteur permet d'apprécier l'architecture particulière de Stockholm. La plupart des gens trouvent que c'est un moyen très agréable d'avoir une vue d'ensemble de la ville. Ici, les bâtiments sont très bas, il y a un fleuve. En étant en plein centre-ville, vous avez un très beau panorama. Pour 56 euros, ce tour d'une heure laisse les touristes sur leurs petits nuages.